Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, il y a quelques temps, la JYP a annoncé la première sous-unité du girls group coréen TWICE. J'ai nommé cette sous-unité qui se nomme MISAMO. Vous avez les membres tout simplement Mina, Sana et Momo. Je ne sais pas si ça va être un titre japonais ou un titre coréen, mais je pense que c'est vraiment japonais. Hein. Oui, c'est ça, c'est japonais. Il me semblait bien. Et je vais tout simplement réagir à leur tout premier titre qui se nomme Marshmallow, issu de leur premier album qui se nomme Masterpiece, qui devrait sortir entre le 26 et 27 juillet. On a l'habitude, c'est accoutumant que quand ils font un comeback japonais, t'as toujours le MV qui sort quelques temps avant la sortie officielle du MV. En général, c'est 2 à 3 semaines, voilà. Mais avant de déblatérer un peu plus et de peut-être mieux parler correctement, même là ma phrase n'était pas très français, vous connaissez la chanson, mes chers Méli-Mélo, vous le demandez un jour et j'ai envie de te dire, générique. Alors, je n'ai vu qu'un teaser, je pense, il y a quelques temps, de cette toute nouvelle sous-unité. J'aime déjà beaucoup le fait qu'il y a ces trois personnes dans cette première sous-unité de TWICE. Je pense que ça va être quelque chose de très sensuel, sans être vulgaire, évidemment. Quelque chose de très très classe aussi, puisqu'ils avaient toutes des tenues très classe noires. Quelque chose de très un peu bling bling aussi. Enfin, je sais pas. D'après le petit teaser que j'avais vu aussi, hein, donc peut-être que je me trompe. En tout cas, j'ai hâte de voir cette première sous-unité. Est-ce que ça peut donner déjà en termes du visuel, mais même le combo de ces trois membres. Mais quel concept vont-ils nous dévoiler? Est-ce que ça va être quelque chose de proche de leur groupe de base TWICE, ou quelque chose, ou une manière différente mais qui se rapproche de celle-ci? On verra bien. Si vous entendez Pikachu, c'est normal. Bah, on est le matin, il a envie de s'exprimer et j'ai laissé ma fenêtre ouverte parce qu'il fait très très chaud, et également ma porte pour avoir de l'air. Et vous allez peut-être me voir souvent boire de l'eau aussi, ce qui est normal, ce qui fait très chaud dernièrement. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien, mes chers Méli-Mélo, en ce 16 juin et que vous avez passé relativement une bonne journée. Je vous souhaite déjà un bon week-end au préalable. En tout cas, pour moi, il sera assez chargé dans l'ensemble pour pas changer ces derniers temps. Je n'arrête pas de faire plein de choses. Moi, écoutez, ma météo du jour, elle est relativement bonne, juste un peu fatiguée, mais moins que d'habitude. J'ai quand même su mieux dormir cette nuit, tant mieux, j'ai envie de te dire. J'espère que ça va rester comme ça, mais parlons pas trop vite parce que l'insomnie est souvent à ma porte dernièrement. Mais dans l'ensemble, je vais bien et j'ai envie de te dire que quand tu es bien et en bonne santé, c'est le principal, non? Allez, let's go. Donc pour MISAMO, j'aime déjà beaucoup aussi la combinaison de leurs trois noms, en fait. MISAMO, je trouve ça trop canon, vraiment. 3, 2, 1. Elle est trop belle. Nous nous dirigeons vers le bureau, ouais, ok. Trop belle. Oh, le MSM. Est-ce que c'est tous des titres peut-être de leurs chansons qui est mis là? Ok, on est clairement au travail. Hein. Comme si on passait la journée au travail avec elle. On a quelque chose de très soul, jazz. On voyait l'album de TWICE là. Oh. J'aurais pas vu ce genre de chanson. J'aime beaucoup, comme si tu étais carrément sur un smartphone et que tu pouvais choisir, tu vois.
Il y a quelqu'un qui l'espionne. Bah oui, pourquoi pas. On dirait qu'ils sont un peu influenceuses aussi, tu vois. C'est mignon. J'ai envie d'une glace maintenant. Marche, repos, courir. Même leurs tenues sont super jolies. J'aime énormément les parties rap, je trouve qu'elles sont vraiment bien. En fait, c'est une employée, mais on dirait que c'est aussi une qui fait partie de la bourgeoisie, je sais pas. Des marshmallows hein. Il la cherche, il veut la protéger aussi tout simplement. Oh, pas mal. J'ai envie de manger un marshmallow maintenant. Ça a l'air très moelleux. On voit pas de chorégraphie, hein. Marshmallow. J'ai envie de marshmallow là maintenant. Bon, dans ce clip de vidéo, tu vois Mina, Sana et Momo lors de leur journée de travail et comme s'ils te guidaient tout au long de leur journée. On voit qu'ils ont trois travails différents dans des bureaux, comme si c'était peut-être la chef. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui travaille aussi dans tout ce qui est produits de beauté, soins de beauté, le skincare. Mais en même temps, t'as l'impression qu'elle fait aussi partie, peut-être, comment dire, de la haute société, mais qu'elle a quand même envie de travailler comme tout le monde. Donc voilà, c'était assez sympa. L'esthétique du MV était très classe, hein, très bling bling à la fois, mais pardon, simple également. Je ne pensais pas à ce genre de chanson quand j'avais vu le teaser, mais cette chanson est pas mal. On a quelque chose de très léger, de très pop. Mais quelque chose d'assez soul, rétro, c'est assez sympa. Oui, je dis soul, alors c'est soul, je sais pas comment le prononce, c'est pas grave, j'aime bien. Maintenant, c'est pas un gros coup de cœur, mais on voit quand même que c'est un peu différent des titres phares, on va dire, dans la globalité de ce que Twice fait. Là, on a vraiment une sous-unité qui se distingue, donc ça, c'est vraiment cool. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup les plans aussi qui ont été effectués, qui étaient assez sympas par la caméraman. On a les trois membres, je trouve, qui sont bien mis en avant. On a une belle répartition de paroles. Ce que j'ai vraiment le plus aimé dans cette chanson, c'est les parties rap qui m'ont beaucoup plu. Elles sont juste sublimes aussi. J'aurais trop voulu aller les voir en France, mais bon, parfois il faut faire des concessions et aller seulement au groupe que tu kiffes vraiment, 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 tu vois. Et puis bon, le porte-monnaie, quand tu dois penser au logement, tu dois penser à la bouffe, le billet de concert, l'essence, comme moi je viens de Belgique, ben, c'est souvent Paris, je peux pas toujours me déplacer à Paris. Moi j'ai pas mon permis non plus, donc souvent on va avec ma meilleure amie. J'ai déjà été une fois en transport en commun, mais c'est assez compliqué aussi, c'est pas donné non plus. Parfois tu dois te prendre longtemps en avance, donc c'est dommage que vous venez pas un peu plus en Belgique. Hein. Je peux comprendre que vous adorez Paris, parce que Paris c'est Paris, 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 Paris. Mais nous aussi on a un beau pays, vous savez. Je dis ça, je dis rien. Alors, au niveau donc de leur premier album qui se nomme Masterpiece, je pense que c'est le 26 ou 27 juillet qu'on aura
l'intégralité en tout cas sur les plateformes. Mais vous pouvez déjà retrouver donc l'album sur les plateformes. Vous avez cet album qui est composé donc de 7 titres. Et vous avez déjà donc le titre Marshmallow et Bouquet qui est disponible en écoute. Les autres pas pour le moment, comme je vous l'ai dit. Et au niveau du visuel de la jaquette, on retrouve vraiment cette classe très très jolie qu'on retrouvait dans le MV. Je les trouve juste sublimes avec leur tenue noire. C'est vraiment mais hyper joli. J'aime beaucoup beaucoup la police utilisée pour leur titre de leur album. Ce côté chandelier, ce côté velours avec ses rideaux rouges. Et puis cette petite vaisselle qui est en or, on dirait, qui est un peu tombée. Vraiment comme un festin. Franchement, c'est très 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 joli. J'aime vraiment beaucoup. Donc dans la globalité, on va dire que je suis mitigée. J'ai apprécié cette sous-unité, j'aime beaucoup ce qu'elle offre. Mais la chanson, pour le moment, je pense qu'il faudrait que je l'écoute plusieurs fois pour peut-être un peu plus l'apprécier ou peut-être rester sur le même premier avis que j'ai actuellement. Mais en tout cas, ils m'ont vraiment donné envie de manger des marshmallows. Vraiment. Et vous, mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cette toute première sous-unité de Twice. Qu'est-ce que vous pensez également de cette élégance, de ce côté très simple quand même à la fois, où on voit tout simplement les trois membres durant leur journée de travail. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.